Salut à tous. Et bien, comme vous pouvez le voir, sur notre nouveau sur New, donc ici toujours sur ma troisième partie, toujours. Bon, voilà, voie du démon pour le coup, donc troisième difficulté. Ici, il va s'agir d'aller monter mon stuff pour le coup en valeur plus et en niveau. Alors, ça devient beaucoup trop cher pour l'instant, simplement pour le passer. Donc ici du niveau 174 par exemple au niveau 200, hein, ça me demande à peu près 20 millions. Je vais pas sortir 20 millions d'or par pièce, hein, on n'en finira pas. Donc ici on va aller passer par les abysses. Alors évidemment si vous le faites, ayez donc soit une copie de sauvegarde de côté, hein, vous allez copier votre save sur clé USB etc. et vous le tentez en allant encore pour votre armure, ou ayez un deuxième build de rechange. Hein. Dans ce cas de figure, si, j'ai que celui-là. Voilà. Donc je vais y aller franco. Hein. Bref, donc toute l'armure à compre. Alors j'espère que j'aurai ce qu'il faut côté Amrita, tout ça, donc je verrai bien. Et pour le coup, je vais me rendre. Alors attends, c'était quel boss? Je crois que c'était palier 19. Otani, il me semble, hein, si je dis pas de conneries. Ouais, je crois que c'était ça. Donc je vais tenter sur Otani. Il me semble un kilo 19. J'ai un doute avec le 18e. 18e, c'était qui C'est un gros doute. Non, c'était Oda, je crois, au 18e. Donc non, je vais bien faire. Alors pour le coup, qu'est-ce que j'ai? Créateur, création de manquer, via moyen. Hop, donc, direction ici. Je vais aller voir ce que ça va demander pour le coup. Alors est-ce que j'ai ce qu'il faut? J'ai largement ce qu'il faut. Donc là-dessus, a priori, je suis tranquille. Ça ne me demande pas beaucoup d'abrita par rapport à ce que j'ai. Les gouttes de verre gris, j'en ai. Donc c'est nickel. Je vais pouvoir faire ce que je voulais faire. Ah, tiens, c'était quoi ça? Bon, ça en avoir. Donc ça, c'est bon. Ensuite, le katana, il est bien. Le kusa, il est bien. Les armes de distance sont bien, donc on va en rester là-dessus, je pense, pour l'instant. Hop. Donc oui, je suis comme ça, j'ai la OLP sans les accessoires. Remarque, l'accessoire il a combien? 200 plus 14. Je dois peut-être en profiter pour y mettre, ou alors mettre celui-ci à la limite. Voilà, je vais y mettre celui-ci. De toute façon il est récent, donc il est déjà assez bien monté. Oups, c'est parce que je joue là. Corruption. Si j'ai pas trop de risque, hein, je vais y aller directement en armée lente. Alors là, il n'y a pas besoin d'enchaîner plusieurs boss, hein, pour le coup, comme on ferait d'habitude quand on va. Merde, il dure plus longtemps que d'habitude, ce talisman là. C'est pas bien ça. Ça, c'est pas bien du tout. Merde, c'était pas prévu. Ah, forcément, j'ai monté la magie, donc le talisman dure plus longtemps que prévu. J'avais complètement zappé ça. D'accord, commencer. Donc comme j'allais dire, pas besoin d'enchaîner plusieurs boss. Un seul suffit ici quand il s'agit de monter la valeur plus au niveau d'un équipement en question. Encore une fois, en enchaîner plusieurs, c'est pour la transformation d'un céleste par exemple en éthéré. Qui réclame de monter l'objet corrompu dans l'arme qui a été corrompue, ou l'armure, hein, qui a été corrompue. Et qu'on peut faire monter jusqu'à plus 3. Donc, plus 1 on tue un boss, plus 2 en ayant tué 2 boss, plus 3 en ayant tué 3 boss. Donc ça augmente par 3 les chances de le transformer en éthéré. Bon, je vais le rappeler une fois de plus.
on est parti. Trop facile. Bon, les dragons est quand même puissante, hein, donc c'est pas surprenant que les déboîtés. Alors je peux pas. Ah bah c'est ça, attends pour moi. Go. Donc si tout se passe bien, l'armure normalement est transformée. Enfin transformée. Montée en valeur PC au niveau. Donc là devrait être aux alentours du niveau 200, étant donné pas lié auquel je suis. Même peut-être un petit peu plus avec un peu de chance que ça. Alors, on va y voir ça. Voilà, donc 200 plus 18. Voilà ce que je disais donc juste avant. Hein. Je parlais de plus 17, donc c'est à peu près la moyenne. Même plus 19 carrément, donc impeccable. Et ben nickel. Donc voilà comment on fait monter en gros son armure sans payer une blinde. Hein, parce que là, ça m'aurait coûté 20 millions par pièce. Donc vous faites le calcul, hein, il y en a pour 100 millions, et encore, 20 millions, même plus que 20 millions, suivant les pièces en question. Il y a certaines qui montent à 24 millions, d'autres à 27, etc. Donc ça va très vite, on dépasse les 100 millions d'or, c'est pas possible. Donc ça c'est une des façons de faire, que je viens de montrer là, pour monter son stuff en valeur plus et en niveau, et le mettre à jour, pour le coup. Alors ça c'est l'avantage, à titre d'exemple, hein, c'est l'avantage que j'ai eu, à débloquer la voie du sage en avance. Hein, je le rappelle, quand j'étais dans la voie du démon au début, j'ai bouclé ma première région, puis la deuxième. Et à partir de là, quand vous complétez vos deux régions, vous débloquez le reste des régions, jusqu'au DLC, quoi, en gros. Et moi, j'ai sauté directement dans la région demi. J'ai fait la mission des yeux de la reine, donc qui conclut la fin du jeu et qui débloque la difficulté suivante, ce qui m'a permis de débloquer la voie du sage et donc de débloquer jusqu'au palier 20. Pour le coup les abysses et pour le coup de transformer ici mon équipement en niveau 200 plus 18 à plus 19, ce qui est plutôt pas mal du tout. Donc c'est impeccable. Comme ça j'aurai pas à payer comme un ouf. Et je referai la même astuce si nécessaire dans la voie du sage une fois que j'aurai débloqué la voie du Nio en amorce. Si je vois que le stuff commence à galérer un petit peu. Bah voilà, c'était plutôt rapide. Je vais quand même voir si j'ai pas pour le coup quelques missions dojo peut-être à terminer. Non, il n'y en a pas. Voilà, comme la vidéo est assez courte, je vais quand même faire une petite cop juste pour le plaisir. Histoire de voir un petit peu la différence sur la défense, tiens, tant qu'à faire. Ça, mine de rien, j'ai quand même passé tout le staff d'une valeur, enfin, d'un niveau 170 en moyenne à 200. Donc là, avec la valeur plus qui a pas mal monté aussi, normalement j'ai chopé pas mal de défense. Bon, après ça joue pas énorme. Hein. Je rappelle que dans Nio, la défense d'un build, c'est un tout. Hein. C'est pas uniquement la défense des pièces. C'est beaucoup de choses à prendre en compte. La lourdeur des pièces, hein, là, si c'est une armure lourde, elle va avoir une grosse réduction des dégâts et donc pour le coup elle va défendre davantage. C'est pas uniquement la défense qu'on a marquée sur les pièces. Puis après il y a les PV aussi qui jouent. Si tu vends ce que tu as en PV, tu vas encaisser évidemment plus ou moins. J'espère que ça va pas trop laguer ou que je vais pas être déconnecté de la truc hein, parce que comme la connexion est devenue un peu merdique en ce moment, ça a tendance à me déco assez souvent du chat, ne serait-ce que sur le PSN, donc c'est pas cool. Et en jeu j'avais déjà été déco je crois avec un joueur Sonio, il me semble. Donc les bah là on est en voie du sage carrément, ça fait pas semblant. Ça va être l'occasion de voir ce que ça donne. Hein.
il a pris la tête. Ok, d'accord, il a tracé directement là. Trop fort. Ça se voit qu'il est en rouge quand même, j'ai pas fait trop de dégâts. Puis l'envoi du sac, le build n'est pas monté au taquet, ça va tuer. Il y a peut-être du honneur, hein. Ah, il joue pas mal sur la magie. C'est rare de voir un joueur qui essaie de jouer magie comme ça. Extrêmement rare quand même. C'est dans la peur. Toujours, je vais pas faire le bug. Bon, ça aurait pu être pire, c'est passé assez bien. Voilà, je sais au moins que ça passera dans la voie du sage, avec quand même pas mal, trop mal de dégâts, donc j'ai pas trop à me plaindre. Après, il va falloir monter un peu plus quand même, niveau de la valeur plus et tout.
Mais bon, ça je le ferai en bois du save tranquille. Voilà, une petite dernière. Histoire de. Genre le jeu va faire croire qu'il trouve que le même joueur quoi. Très fort. Et trouve-moi quelqu'un. Qu'est-ce que tu fous le jeu? Non mais le. Vas-y, il n'y a pas que Moraes là, qu'est-ce que tu fais là? Non, de toute façon j'ai pas mis le mot de passe. Bon bah alors, non mais laisse-moi ça tranquille, ça, hop, on va essayer comme ça pour voir. Genre que il y a plein de chasseurs Nio là, mais bien sûr. Ils se moquent de moi quoi. Ok d'accord. Bon bah je crois qu'on va s'arrêter là à mon avis. Hein. Ça a plus l'air de vouloir trouver qui que ce soit, c'est magnifique. J'adore, je kiffe. Bon après c'est peut-être dû au fait que la connexion merde pas mal. Hein. Donc on est repassé en ADSL, qu'elle est pas terrible. Je commence à avoir un doute. Ouh, ça a trouvé quelqu'un. Miracle. Ergo proxy. Alors quelle difficulté tu as? Voix du démon. Bon. Ça va le faire. Je crois que mon coéquipier a sa distance pour voir ce que je fais. Non. Ou alors il est allé chez Cot. Ça marche aussi. Ok d'accord, impressionnant le tir. Ah, tu dépotes aujourd'hui. Tester la nature pas tuer, c'est pas bien ça. Mais qu'est-ce que tu fais Ergo? D'ailleurs il m'a fait penser. Non je peux pas dire mais comment. Non c'est pas bien. J'aurais pas dû ralentir, juste à faiblir, hop, ça se ressort et suffit.
Elle est vite, ça. Elle est vite, là. Ok, d'accord. Ça va piquer. Oh, je vois. Il est tellement là. Hein. Voilà, on va terminer là-dessus. C'est plutôt pas trop mal. Alors juste avant de couper vite fait, tiens d'ailleurs, tant que j'y pense, vu qu'on est dans la forge, pour ceux qui se poseraient la question, est-ce que c'est pas trop cheaté d'avoir par exemple l'armure en or de Nioh dès le début de la partie? Désolé, j'ai la toux un peu, enfin j'ai la gorge un peu sec, petite toux à la con. Alors il y a un joueur par exemple tout à l'heure qui demandait sur le forum de Nioh, sur jeu2.com toujours, est-ce que c'est pas trop cheaté justement de prendre ce genre de bonus dès le début de la partie? En fait non, tout dépend de ce que tu vas en faire. Alors c'est sûr, tu vas encaisser un petit peu mieux, ce qui est plutôt cool. Alors, vu que tu attaques directement avec du lourd. Mais il faut aussi prendre en compte que c'est une armure lourde. Au début t'as pas forcément les stats pour la porter en entière. Sauf si tu joues en étant dans le jaune au niveau du poids ou dans le rouge, ce qui est plutôt chaotique. Et plutôt très déconseillé.
Donc non, je trouve pas que ce soit spécialement cheaté hein, de jouer avec ce genre de bonus dès le début du jeu. Et perso, je m'en suis jamais servi parce que je trouvais ça trop lourd, etc. Donc c'est à vous de voir après. Voilà. Donc sur ce, on va arrêter ici. Hein. Donc moi, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. J'espère que ça vous aura plu un minimum. Et donc sur ce, ciao tout le monde.